Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Marius Mohonga. Tout comme vous, j'ai été intéressé par les buzz sur Internet autour de la vidéo sur la fille de Koffi Olomide, Didi Stone, qui serait une actrice de film X. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été très surpris parce que c'est incroyable. Mais c'est possible. Je suis allé sur le net pour vérifier. J'ai regardé la vidéo. Oui, je l'ai regardée. Je dois vous avouer que je me sentais très mal à l'aise à regarder la vidéo parce que le porno, c'est pas mon truc. La deuxième raison est qu'il y a un truc qui faisait que je me sens très mal à l'aise. C'était le fait de savoir que c'était la fille de Koffi Olomide, notre chère Didi Stone Nike, que nous avons tous vu grandir. Leur pas, bébé Didi Stone Nike. Ton papa est là. J'étais très mal à l'aise, vraiment très mal à l'aise. Mais je l'ai fait. J'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme beaucoup d'entre vous qui avez regardé cette vidéo, j'ai eu un moment de doute. Puis, étant un professionnel d'image, je me suis donné la peine de vérifier seconde par seconde ces images pour être sûr de ce que je voyais. Je voulais être sûr pour déterminer si c'était elle, notre chère Didi Stone Nike. Et j'ai découvert la vérité, la vraie, celle qu'aucun autre journaliste congolais ne prendra le temps de vous expliquer. Et cette vérité, je vais la partager avec vous aujourd'hui. Je dois vous avouer qu'avant de venir vous en parler, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi moi? Oui, pourquoi moi? Parce qu'il s'agit bel et bien de Koffi Olomide, de toutes les façons. Pourquoi devrais-je me soucier d'une histoire qui concerne Koffi Olomide, même si c'était vrai ou faux? Où est mon problème? Mais vous savez quoi? Moi et Koffi Olomide partageons trois choses en commun. 1. Koffi Olomide est un être humain, comme moi. 2. Koffi Olomide est congolais, comme moi. 3. Et le plus important, qui m'a le plus motivé, Koffi Olomide et moi sommes parents. Oui, je suis père des deux agréables petites filles que j'adore de tout mon cœur. Et comme Koffi Olomide est parent, que pourrais-je attendre de ma communauté si une histoire pareille arrivait à ma fille? Voudrais-je vraiment que les gens autour de moi restent silencieux? Comme Koffi Olomide parent, comment pourrais-je réagir si quelqu'un arrivait à détruire la réputation et la dignité de ces êtres qui me sont les plus chers au monde, mes filles? La réponse est que je ne pourrai jamais, jamais rester silencieux à la destruction de quelqu'un ou d'une famille. Et rester silencieux, non, je ne peux pas. Surtout si je sais que ce sont des nouvelles qui ont pour intention de nuire. Si je sais que c'est de la cyber-intimidation, des cyber-attaques, des fake news. Je me suis donc décidé d'utiliser ma caméra, ma voix et ma notoriété pour sauver la réputation d'une jeune fille pleine d'avenir, dont les seuls péchés sont de ressembler à quelqu'un d'autre et d'être la fille de son père, Didi Stone Nike. Je me suis donc décidé
de sauver l'honneur d'une Congolaise, de sauver l'honneur d'une famille, de sauver l'honneur des Congolais. J'ai pris tout mon temps. Je suis allé regarder la vidéo. J'ai regardé plusieurs fois, chercher des photos sur Internet, mener des enquêtes pour venir à la conclusion que cette vidéo est un mensonge monté de toutes pièces pour nuire à la réputation de la fille de Kofi Olomide. Non, la personne sur cette vidéo n'est pas notre chère Diddy Stone. Voici, même si on peut noter une forte ressemblance entre les deux personnes, et quelquefois, il est très difficile de faire la différence entre les deux. Mais sur ces images, il y a des éléments qui montrent que ce n'est pas la même personne. Je suis allé même très loin. Diddy Stone semble avoir des taches naturelles sur son bras gauche. Comme on peut le voir, l'autre fille ne les a pas. Pas assez convaincant? Voici une vidéo. Quand on tire, elle n'a pas de taches non plus. Mais quand on met les deux photos des deux personnes en très gros plan, on peut très bien remarquer la différence sur la teneur de la couleur de leur peau et beaucoup de différence sur les traits caractéristiques de leur visage. Et là, la différence semble nette. Diddy Stone est né et grandi, j'imagine, parlant français. J'ai cherché des vidéos, d'interviews d'elle parlant français, je n'ai pas trouvé. Mais cette autre personne parle un anglais parfait, avec un accent 100% américain. D'ailleurs, dans l'interview, elle dit qu'elle est originaire d'Illinois, un des États des États-Unis d'Amérique. Parce que vous savez, pour des gens qui parlent français et qui ont appris l'anglais, même s'ils parlent anglais, il restera toujours un petit accent du français, comme moi. Je vous propose donc de regarder cette vidéo pour vous convaincre davantage que ce n'est pas la même personne. I'm 19. 19 years old, okay. So, and where are you from? I'm from Illinois. All right. And, say that. Because I've known her since we were like 10, so. What? It's still new, you know, it's just like, I mean, I've been, you know, serious with a few girls. Oh, okay, so. Girls. Yeah, so I've had experience, a good amount of experience with that, and with guys it's been very, very, yeah, I think that was my problem because I was just like, it was just two different things. I mean, clearly it was two different parts, so I was just like, I don't know. So I gave it a try a year later, and then that's when I started talking to guys. Okay. So when I was 17, I started talking to guys, started dating them more. Mm. But I've been in between, like I've been in sometimes where there was situations where it was like a three-person relationship, you know? Like a love triangle. So, yeah, and that never worked out because the other girl would always get jealous, so I'd be like... Why don't we just break the ice a little bit more, and why don't you take off your shirt, and we'll just do the rest of the interview with your shirt off. How does that sound? Sounds good. All right, let's see what's doing under that shirt. Oh, fuck, very nice. Ce n'est pas la même personne. Toujours pas convaincu? Non? Ok. Nous allons, dans les images qui suivent, vous montrer quelque chose. Nous avons fait une collection d'images dans lesquelles nous mettons les deux personnes côte à côte. Et notez que Diddy Stone sera toujours à votre gauche et l'autre personne à votre droite. Peut-être que là, vous verrez que les deux personnes sont tout à fait différentes. Pour mieux dire, ce sont deux personnes tout à fait différentes et distinctes. Regardez. Thank you.
Maintenant, chers amis, je pense que vous avez suffisamment d'éléments pour être convaincus, comme moi, que la personne sur la vidéo qui a circulé sur le net n'est pas notre cher Diddy Stone. Cette personne s'appelle Amethyst Bank. Elle est connue. Si vous voulez en savoir un peu plus sur elle, ou vous êtes fan de film X, vous voulez la suivre, elle s'appelle Amethyst Bank. Vous pouvez la suivre également sur son compte Instagram. Vous savez quoi? Ce genre de vidéos online sur des intimidations, des cyberattaques, sur l'humiliation en ligne, ont détruit beaucoup d'espoir et des rêves des gens. Ce genre de vidéos ont détruit des vies des gens. Alors moi, je refuse d'être témoin. Je refuse d'être un témoin silencieux. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, pour partager avec vous ce que j'ai appris. Maintenant, je voudrais quand même réfléchir un tout petit peu avec vous. De quel droit nous pensons que nous avons le droit de détruire la réputation des autres en ligne? Qu'est-ce que nous gagnons? Et la personne qui a publié cette vidéo en premier, c'est quoi son intention? Cette personne qui passe toute sa vie devant l'ordinateur à regarder à longueur de journée des films X doit sérieusement avoir des sérieux problèmes. Il doit vraiment avoir des problèmes, quoi. Mais sérieusement, quoi. Pourquoi devons-nous participer silencieusement ou activement à détruire la vie des gens en partageant des vidéos comme ça, en partageant des nouvelles qui visent à détruire des réputations des autres? Bon, même si cela était vrai, c'est quoi votre problème? C'est quoi notre problème? Vous, comme moi, comme Diddy Stone, avons le droit de faire de notre vie ce que nous voulons, n'est-ce pas? Pour nous autres qui avons partagé cette vidéo avec juste envie de nuire, maintenant que nous savons que ce n'était pas vrai, n'avons-nous pas honte? En tout cas, moi, je refuse d'avoir honte, raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Je pense que la prochaine fois que nous tomberons sur une vidéo comme ça, nous devons réfléchir deux fois avant même de la partager. Si seulement nous passions la plupart de notre temps à réfléchir à comment trouver des solutions à des problèmes qui sont les nôtres, au lieu de la passer tout le temps à essayer de faire tomber les autres, de détruire la vie des autres, je pense que peut-être que nous pourrions vivre dans un monde meilleur. Je voudrais conclure en disant comme ceci. Si comme moi, tu penses que tu ne peux pas rester silencieux devant cette campagne de dénigrement d'une personne. Si comme moi et Kofi Olomide, tu es parent et tu te soucies de la sécurité de tes enfants et surtout de tes filles en ligne pour garantir leur avenir, je te demande donc de partager cette vidéo au maximum. Et je vais conclure en disant, je suis Diddy Stone. Je vous remercie.